Bonjour, bienvenue sur le stand Mohawk. Aujourd'hui, je vais vous présenter la caméra Mohawk, une caméra américaine qui a été faite spécialement pour les unités spéciales. C'est une caméra ergonomique spécialement faite pour les opérations tactiques et opérationnelles. C'est une caméra dans un profil qui est profilé pour venir se poser autour du casque, sans arrêt pour éviter les accrochements, qui résiste au choc, une chute de 2 mètres, et à l'immersion, moins de 10 mètres sous l'eau. Elle est aux normes IP68. Pour son utilisation, je peux la mettre soit au-dessus du casque ou alors je peux venir la mettre à une position horizontale. Elle pourrait même venir se mettre sur une épaule grâce à un harnais spécifique à cette utilisation. L'avantage de cette caméra, c'est que lorsque je vais la mettre en marche, il n'y aura aucun son, il n'y aura aucune lumière. L'utilisation est très simple. Ici derrière, je vais trouver un anneau avec trois positions. Position centrale, ça va être sur off. Position à droite, ça va être en mode vidéo, et position à gauche pour entrer dans les menus. Je vais pouvoir l'actionner grâce à mon index, et lorsqu'elle va se mettre en marche, en fait, c'est une vibration qui va dire à l'opérateur si sa mise en œuvre est faite ou pas. L'autre avantage de cette caméra, c'est que même en faisant une vidéo, je peux être amené à faire des photos. Pour ceci, c'est très simple. Avec mon index, je vais venir appuyer sur le bouton central, ce qui, lorsque pendant ma vidéo, va prendre une photo. Ceci va être confirmé, pareil, par une vibration lors de la prise de vue. Pour accéder au capot, je vais enlever l'arrêtoir, ôter le capot. Ça me donnera accès à l'écran digital, la batterie, la prise micro USB et la prise HDMI1. Je vais trouver aussi une carte micro SD de 64 Go. La batterie lithium rechargeable, ou alors je pourrais utiliser deux piles CR123 ou même une pile CR123. L'autonomie, selon l'alimentation, va aller de 2 heures à 5 heures. Elle est prévue pour sortir début 2016 et son prix sera autour des 650 euros.